Et les gars, c'est moi. Et on se retrouve sur WoT pour un petit replay de Sir Nop en T49. Donc le T49, le tier 8 à Trollgun américain. On va voir tout de suite ce que ça peut donner. À mon avis, ça va être quand même assez jouissif. On va voir ça. En tout cas, je sais que c'est une très belle partie. Je ne l'ai pas encore vue. Je vais la découvrir avec vous. C'est un char quand même qui est très très beau. Franchement, j'aime bien son look. Il est vachement stylé. Il n'y a aucun autre char qui lui ressemble. Surtout pour sa tourelle. Ça, de ce côté-là, il est vraiment beau. Et puis, il n'y a pas à dire, il redonne le sourire. Donc, on est sur Falaise. Voilà, Falaise. Oui, je ne connais toujours pas les noms de map. Ça vous pose un souci? Donc, sur Falaise. Une map que j'aime assez bien. Parlant de map, je vais l'agrandir, voilà, pour vous. Voilà. Un T49. 969 dégâts. Je vous avais prévenu, hein, c'est jouissif. Il l'a laissé à 31. C'est quand même triste. Il aurait pu le finir, mais je pense que c'est déjà un beau jet de dé. Si je ne m'abuse. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Début de game, 900. C'est excellent. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ils se font un petit peu laminer pour l'instant, les ennemis. C'est plutôt agréable. Bon, ils montent la colline, hein, normal. Oui, bon, ça par contre. What the, pourquoi ça monte pas? Je sais même pas pourquoi ça ne montait pas. Petit bug du jeu comme ça. En soi, en vrai, ça n'aurait pas du tout gêné que la chenille soit un petit peu plus à droite ou à gauche. Il considérait sûrement qu'il était sur le flanc de falaise. Du coup, il pouvait plus avancer. Bon, de là, il pourra sniper. En même temps, c'est pas vraiment le char pour sniper. Voilà. Deuxième dose, 836 dégâts. J'adore ce char, il me le faut. Il me le faut un jour. Un jour où je rejouerai, vu que vous avez pu remarquer que je ne joue plus énormément. Hein, en effet, c'est vrai. Je suis coupable sur ce point-là. Mais c'est un char vraiment très amusant. 289, ça, à peu près normal pour un lourd. C'est ça qui est assez bien, c'est que ben, vous percez n'importe quoi avec ça. Qu'il soit tier 10 ou n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Par contre, là, t'as failli tomber, hein, mon gars. Allez, finis-le, finis-le. Tu peux le faire. Oh, 464, c'est beau. C'est beau, mais par contre, là, tu peux plus remonter parce que tu t'es trop abaissé. Ça, c'est vraiment dommage. Oh, tu casses ta chenille. C'est bête. Il y a déjà 2500 dégâts. En tout début de game. Enfin début non, maintenant c'est plus le début de game. Vu que les ennemis sont déjà décimés de moitié, mais en si peu de temps, c'est quand même assez incroyable. C'est un char quand même assez véloce, hein. 50 km/h en vitesse maximum, je pense, quelque chose comme ça. Il accélère très très bien. Il est relativement mobile, il tourne bien sur lui-même. Et là, il y a du STA1 à choper. 318, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Enfin, j'aurais quand même pu espérer que ça fasse mieux, parce que STA1, c'est quand même pas le meilleur blindage. J'aurais espéré quand même au moins 400-500, enfin c'est pas grave. Je sais pas exactement où est-ce que ça touchait. Il visait la... Le centre du char, donc je ne sais pas. Le 50, c'est plutôt pas mal aussi comme cible. C'est plutôt... Ouais, non, mais là, il lui reste plus rien, là. C'est trop traîné, hein. Oh, le lourd. Ouais, non. De face, c'est pas top, hein. Attends, peut-être, voilà, qu'il soit de côté. Ce sera peut-être mieux. Oh, le STA1 qui respot. La deuxième dose. Voilà, 681. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Là, c'est le potentiel de ce char. Franchement,
Magnifique, magnifique, moi je vous le dis. Ce char est parfait. Oh, puis de flanc. Oh, mais il aurait dû tirer. Il aurait dû. Oh, il va le circle. Il va le circle. Il fait bien. Il vient à peine de le remarquer, mais trop tard. Voilà, 749. Oh, j'adore ce char. Vous l'avez dit, moi, que ce serait difficile. Par contre, le temps de reload, c'est pas ça. Hein. C'est quand même pas ça. Mais bon, pour les points forts, ça le vaut très bien. Mais c'est pas toujours pratique. Voilà, il se fait finir calmement. Il y a Louette qui est aussi très très alléchant. S'il pouvait se prendre la même dose qu'il vient de se prendre avant qu'il meure, parce que ce truc là souvent ça se fait tirer au pigeon dès que c'est repéré. Je suis l'IHS, on peut plus bouger. 400, c'est toujours ça. Non, il n'y a pas de visu, dommage. J'aurais dû tirer, maintenant tu l'as raté. Toujours est-il que ça fait 4300 dégâts. 4300 en light. En light, les gars. Je veux dire, les lights, c'est pas souvent fait pour faire des dégâts. En light et en plus low tier, quoi. Excellent, franchement magnifique. Bon, j'espère que ce replay vous aura plu. On se retrouve pour un prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous, c'était Yonix. Allez, ciao, bye bye, salut, au revoir.